dernière phase du compte à rebours. Loïc Leferme, l'apnéiste le plus profond du monde, se prépare à quitter la surface des eaux méditerranéennes. À bord de son ascenseur pour les abysses, il prépare son corps à se priver d'oxygène pendant de longues minutes. 44 secondes. Je suis dans un milieu hostile. C'est hostile. Il va affronter la pression titanesque qui règne dans les grands fonds. À partir de 100 mètres, la mer, elle est sombre, elle est froide, elle est lourde. Et j'essaie de me faire une place, un endroit où l'homme n'est pas censé aller. La discipline que pratique Loïc s'appelle le No Limit. 30 secondes. La discipline reine de l'apnée, celle que pratiquait déjà le grand Jacques Mayol. Le No Limit permet d'atteindre des profondeurs telles que la vraie limite, c'est l'homme lui-même. C'est ça l'aventure de la profondeur. L'exploration sur soi et aller à un endroit où jamais personne n'est allé. Pour témoigner, juste pour témoigner. Le voilà parti. L'entraînement et une technique respiratoire particulière lui ont permis d'embarquer plus de 9 litres d'air dans ses poumons. Deux fois la capacité d'un homme normal. Sa gueuse, un poids de 30 kg, l'entraîne vers le fond à plus d'un mètre par seconde. Moins 30 mètres. Déjà 3 kg de pression par centimètre carré. Tous les 10 mètres, 1 kilo supplémentaire. Au fond, sur toute la surface de son corps, la mer pèsera plus de 200 tonnes. Loïc croise son dernier plongeur de sécurité. Il est désormais complètement seul. Je pars à un endroit où je vais découvrir des choses sur moi-même. Et essayer de comprendre le corps. Essayer de comprendre que l'adaptation, elle se fait à l'infini. Loïc entre en lui-même, ordonne à son corps de se mettre à l'économie. J'essaie de me détendre complètement. Et j'essaie d'être encore plus à l'intérieur du corps parce que la mer me le demande. À une certaine époque, tout le monde disait, les médecins, qu'au-delà de 40 mètres, comme un téléviseur, on imploserait. Parce que quand on descend, la pression augmente à l'extérieur et il y a un moment, notre cage thoracique, elle est comprimée, elle peut plus comprimer, pourtant on continue à descendre. Loïc est écrasé. Sa combinaison flotte. Chaque poumon est réduit au dixième de son volume. À peine la taille d'une orange. Ça passe par une flexibilité du corps, physique et mentale. Les deux sont complètement associés. Physique, parce qu'il faut réussir à rendre le corps très souple, la cage thoracique, les muscles, toutes les insertions, les os. Et mental, réussir à être suffisamment souple mentalement pour accepter la pression. C'est ça qui fait la quête et la clé de la réussite en profondeur. L'apnée, c'est réussir à lâcher prise. À l'intérieur, je vois mon corps qui évolue, je ressens des choses qui sont de l'ordre du non-palpable. Des choses que je ne peux pas ressentir quand je suis à la surface.
Je passe d'un état à un autre. L'état terrestre à l'état aquatique. Une 10. Moins 90 mètres. Loïc approche le mur des 100 mètres. Une zone mythique pour un apnéiste. Le cap des 100 mètres, c'est Jacques Mayol. Jacques Mayol, ça a été la première personne sur Terre à descendre à plus de 100 mètres en une seule inspiration. Et ça a toujours été ma référence. En état de béatitude, il s'immergera imprégné de la vision de deux êtres chers. Speedy, un dauphin exceptionnel, un dauphin pas comme les autres, qu'il voudrait entraîner avec lui dans ses plongées profondes. Il verra aussi... Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque plongée, pour aller vers cette quête-là des 100 mètres, je pensais à Jacques Mayol, à sa démarche, à comment il s'y était pris pour y arriver. Le Mayol descendait à 105 mètres, tête en bas. Donc il descendait la tête la première. 20 secondes. 35 mètres. Voilà Jacques. 1 minute 40. 11,5 kg de pression par centimètre carré. Au profond 10 mètres, moins 105 mètres. Imaginez que j'étais sur un dauphin et à côté de moi j'avais ma chaîne de dauphin. Angela qui me disait continue, continue, va jusqu'au fond. Et je suis arrivé jusqu'à son taille. Pas de la lâcher. 100 mètres. Je suis dans un autre état. C'est cet état-là qui m'intéresse. À 100 mètres, mon apnée commence véritablement. C'est une zone où on est tellement proche des sensations, tellement fragile. C'est une zone de combat, une zone de mort. C'est une zone de mort. Là, on en a une 55. Hein. Il y a eu pendant des années des expérimentations sur les fréquences cardiaques avec plein d'apnéistes, différents apnéistes, notamment Mayol. Plus l'apnéiste descendait et plus la fréquence cardiaque baissait, jusqu'à atteindre des pulsations par minute qui étaient en dessous de 10. Le corps, certes, s'adapte, il s'adapte en profondeur, on appelle ça le réflexe d'immersion. Ça touche la fréquence cardiaque, ça touche la répartition des volumes sanguins dans l'organisme. On se demandait, mais jusqu'où la fréquence cardiaque va-t-elle aller ? Le cœur allait s'arrêter. Si c'était le cas, ça ferait un moment que tous les apnéistes profonds seraient morts. Le réflexe d'immersion, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Dès que l'eau touche notre face, on a des récepteurs qui disent « Oula, situation d'urgence, on va ralentir le cœur. Il y a une chute du métabolisme. » Chez l'apnéiste entraîné, cette adaptation arrive beaucoup plus rapidement au moment de l'immersion. Une adaptation majeure qui rapproche l'apnéiste des grands mammifères marins. On assiste au réveil de capacités oubliées depuis des dizaines de millions d'années. Incroyable mémoire physiologique. Au moment où j'arrive, j'ouvre les yeux pour voir absolument rien. Et j'imagine que devant moi, là, il y a une infinité. C'est un état de liberté intense, totale, absolument totale.
tellement proche de la limite, tellement proche symboliquement de la mort, que je me retiens à peine à la vie pour prendre conscience de l'existence. Et ce que je vois quand j'ouvre les yeux, c'est extraordinaire. Et en même temps, c'est rien à la fois. J'en ai toujours un peu voulu à Loïc, parce que je lui ai demandé toujours, quand tu arrives en bas, tu ne restes pas en bas, tu remontes. Le plaisir, on en profite après. Et c'est pas facile. Quand on est au fond, c'est pas facile. C'est tellement merveilleux, quand on écoute les apnistes profonds, que c'est difficile. Alors, est-ce la narcose? Est-ce que c'est l'insouciance? C'est me sentir bien à cet endroit-là. Ne pas avoir envie de respirer. Et à ce moment, s'engage un long dialogue entre l'apnéiste et lui-même. Au fond, je remonte pas, tu es bien. Bon. Alors, ça n'est pas une bonne chose de rester en bas, parce qu'à un moment, quand on est au fond, on va se dire qu'il est temps de remonter. On va avoir le diaphragme qui commence à donner des signes de vie. Ce sont des spasmes du diaphragme. En fait, c'est un réflexe inspiratoire. On peut le contrôler un certain temps. Quand les gens commencent à sentir ça, ils peuvent se dire « bon, il est temps de remonter ». Mais parfois, la remontée, elle est longue. Il sort dans une minute, là, à peu près. Normalement, lui, il est sorti dans 10 minutes. On ne touche pas, hein. On ne touche pas. On n'oublie pas, on ne touche pas. Personne ne touche. Loïc est ramené vers la surface par son ballon gonflé à l'air comprimé. Le voyage retour va durer 1 minute 20. Il faut maintenant économiser le peu d'oxygène encore présent dans l'organisme. Épargner les organes vitaux, à commencer par le cerveau, l'organe le plus sensible à la privation d'oxygène, l'hypoxie. Loïc remonte lentement les derniers mètres qui le séparent de la surface. Son corps s'apprête à reprendre son état terrestre, à connaître une forme de renaissance. Il faut que je redéploie mes poumons, que je revienne à la surface. Il me faut bien 5 minutes pour redéployer la flore pulmonaire, reprendre une inspiration, une bonne inspiration, me poser, parce que je suis soufflé en même temps, et c'est compliqué. Et parfois c'est compliqué, et parfois c'est simple. Et c'est tout ça qui fait l'aventure de la profondeur. Quand je suis arrivé au fond, j'ai tapé le 10, j'ai fait « t'es arrivé là ». Là, t'es arrivé, c'est gagné. Et en remontant, avec la pression, avec tout ce qui se passe dans le corps, il y a plein de choses qui se passent dans la tête et puis tu réalises pas trop, quoi. Et je dis, je sors, c'est machinal, je suis content, mais au fond, c'est... Puis je suis resté longtemps au fond parce que j'avais envie, quoi. T'as envie d'aller jusqu'où, maintenant? Le prochain, c'est quoi? Moi, au début, mon rêve, c'était de dépasser 150 mètres. Bah, je pense que ça va pas être que mon rêve. On va voir, là. Ça dépend aussi de plein de gens. Ça dépend pas que de moi.